À 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je fais un combat de boxe avec Azulek. C'est parti, on va faire un combat de boxe avec les premiers habitants de Shrek City, les deux carpes. Celui qui gagne le combat de boxe remporte. Ouais, remporte un menu maxi best-of. Je fais un combat de boxe avec Azulek. Ça va être un vrai combat de boxe. Donc moi, j'ai deux gants de boxe. Bon, déjà, les coups de pied, coups derrière la tête, interdit. Et on va voir qui va gagner. Là, j'ai pris des petits gants de boxe que j'ai acheté vraiment pas cher à Leclerc. Genre 16 euros la paire. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je sais pas si c'est de la qualité ou quoi, mais je pense que ça peut faire largement l'affaire. On va aller voir Azulek. On va lui dire que le combat commence, qu'il soit dans l'arène. Nous allons faire un combat de boxe. Les abonnés vont se combattre en combat de boxe. Tu es invité au stade pour voir le combat gratuitement à Shrek City. Faut payer pour qu'il regarde. Il faut que je le paye pour qu'il regarde le match. Contre un menu McFirst, c'est bon? Oui, oui. Ok, il a accepté de venir voir le match pour un menu McFirst. Le combat commence bientôt. C'est le premier combat. Le premier combat à Shrek City, de combat de boxe. Ah mais d'ailleurs, on devrait faire genre une arène de combat, de boxe, genre une vraie arène de combat. Allons voir la Tiny Capsule, comment elle a avancé. Waouh, ok. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. On va l'enlever. On va juste mettre des murs. On va mettre 4 murs, une porte, un toit. Mais alors, où est-ce que je peux acheter ça et comment m'y prendre? Je sais pas du tout, les gars. Si vous avez des... Là, on met une petite porte ici avec une poignée et un toit. Voilà, juste un toit, genre du bois, quoi. On va aller voir ce que font les cartes. C'est en train de préparer à manger pour le combat. Ils mangent avant le combat, quoi. En train de préparer un petit peu à manger avant le combat pour avoir tout simplement de la force. Vous faites quoi là? Des pâtes? Ouais. Avec des steaks? Ouais. Très bien les gars. Préparez-vous. Incroyable. Là on a le premier participant, carpe numéro 1. Premier combattant. Tu fais 1 mètre combien? 1m80, je crois. 1m80 pour combien de kilos? Là ça doit être 60. Ok, voici le premier combattant, carpe numéro 1. Un des premiers habitants de Shrek City. Et là, on a le deuxième combattant, carpe numéro 2. Taille, poids. Taille 1m70 à peu près. Ok. Et poids, je sais pas, ouais, 65 kilos peut-être. Ok, donc t'es plus lourd que ton pote, mais lui est plus grand que toi. Donc je pense que c'est... Non, ça va. Je pense que c'est assez équitable. Ok les gars, pour les règles, c'est aussi simple que ça. Pas de coups derrière la tête, ok? Pas de coups derrière la tête, pas de coups de pied. Pas de coups de genou, juste les poings, d'accord? Ok, round numéro 1, let's go! Ok! Ok, round numéro 1, gagné par carpe numéro 1. Wow! Oh! Oh! Oh là là, super coup du... Oh là là, quel coup de carpe numéro 2! Ok, round 1, round 2, round 2, gagné par carpe numéro 2. Un partout, un partout. Oh, oh, oh. La riposte. Les gars, c'est pas un marathon. Ok, ok, pause. Oh, pénalité, carton jaune. Ok, pause les gars. Ok, pour l'instant, un partout. Vous vous sentez comment? Essoufflé? Ouais. Ok. On fait une petite pause les gars. Pour l'instant, le combat est vraiment tressé. On a d'abord carpe numéro 1 qui a mis un superbe coup à carpe numéro 2. Round 3! Oh! Oh! Il m'en fait rien. Vous devez vraiment tout donner. Top. Verdict du combat, qui a gagné? Selon toi, qui a gagné ce match? Bien joué. On est tous les deux nuls. Les gars, c'est très serré. Qui a gagné? Je pense que vraiment c'est très serré parce que vous avez tout donné tous les deux. Les gars, égalité. Égalité, bravo à vous.
de partout pour ce match de boxe. Je vais tout simplement leur offrir un menu McDo. Avec Azulek, bien sûr. On descend. Voilà les gars, là on est au McDo. Vas-y, demande-toi les sauces. Des sauces, à toi. Voilà. Les combattants récompensés d'un magnifique McDonald's. Petit menu pour les combattants, vous avez pris des potatoes, c'est ça? C'est ça. Mm-hmm. Avec un petit iced tea, un petit burger.